Salut vous! Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Si vous voyez mes vidéos pour la première fois, c'est mode, beauté. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mode. Plus exactement, à la Paris Fashion Week du mois de janvier. C'était juste fabuleux. Je vous laisse regarder. À tout à l'heure. Une pause. Elle est toute contente, elle est venue au fashion show de Woo Young-mi. Donc là, elle est au max de sa forme. Elle pense que je suis en train de la prendre en photo, mais en fait non, je la filme. Je la filme, je la filme. Maman, dis bonjour à la Lucky Squad. T'as dit quoi? Bonjour qui? Tu veux dire quelque chose à Lucky Squad, maman? Bonjour mes enfants, mes filles. Tes enfants? Oui. Voilà, donc c'était bien. Je suis arrivée un peu en retard, mais c'était bien quand même. J'ai quand même vu la fin au moins. Je suis arrivée en retard, du coup j'ai pas pu m'asseoir, on a pris ma place. Mais c'était bien. Ce que j'ai pu voir en tout cas, c'était plutôt pas mal. Il y a un mec bizarre qui vient de me dire un truc bizarre, mais bon bref. Alors les amis, il y a une navette officielle pour la Fashion Week. Regardez-moi ça. À cause des grèves. Même la navette est stylée. 100% électrique en plus. Paris Fashion Week, navette officielle. Regardez-moi ça. Thank you.
Pu le voir, j'ai participé à deux shows. J'en avais un troisième le jour d'après, mais j'ai pas pu y aller parce que normalement je devais y aller avec maman et maman avait attrapé un coup de froid. Et comme j'avais la flemme d'aller à un défilé toute seule parce que j'aime pas aller à fashion show toute seule parce que c'est nul, j'aime bien avoir quelqu'un avec moi, surtout j'aime bien avoir maman avec moi parce qu'on rigole bien. Du coup, on n'est pas y allé. C'était le fashion show de Juana Martin, une créatrice espagnole qui fait des choses assez fabuleuse en fait, hein. C'est vraiment de la haute couture à l'état pur. Et je suis vraiment dégoûtée parce que il y avait Rossi des Palmas. Rossi des Palmas. Pour ceux qui ne connaissent pas Rossi des Palmas, c'est juste une très grande actrice espagnole. C'est la meilleure amie de Jean-Paul Gaultier. C'est la pote de Pedro Almodovar, de Penélope Cruz. Vous pouvez la voir aussi dans la publicité de Jean-Paul Gaultier pour le parfum Scandale. Mais c'est un scandale! Mais bon, pour me consoler, l'attachée de presse de Juana Martin m'a envoyé quelques photos du défilé avec Rossi des Palmas, notamment qui défilait en plus. C'était juste grandiose en fait. Donc je vous mets juste après les photos du défilé que j'ai ratées. Mais je peux me consoler avec les photos et ça ira. Bon, la Lucky Squad, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que mon expérience à la Paris Fashion Week 2020 vous a plu. Que vous avez aimé certains looks ou pas. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Donc, si ça vous a plu, laissez-moi des petits j'aime. Non, pas des petits j'aime, des gros j'aime, des gros commentaires. Dites-moi tout. Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé et tout. Ça fait toujours plaisir. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous attendez quoi? Abonnez-vous. Ça va me faire très, 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 très plaisir. Abonnez-vous, les gars. Donc, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore et toujours très mode. On est à fond sur la mode.